Hey, salut à tous et à toutes, c'est Lichou. On se retrouve encore pour une ouverture booster avec ma copine. Et, du coup, commençons. On a du coup le Courant Singe X, le petit pack spécial. Voilà. Encore un tri-pack. Un tri-pack et le petit booster de Evolution Paldea. Donc on va commencer à ouvrir. Du coup, toi tu commences par celui-là? Ou tu veux qu'on commence par le tien, celui que tu viens d'ouvrir. Donc j'espère qu'on aura pas mal de chance. Et puis on verra un peu si on a de meilleures cartes dans un tri-pack ou dans un dans autre chose, dans un coffret. Donc on a le Evoli, on n'a pas pris les sleeves, bon c'est pas grave. Donc on l'a déjà, mais bon on va quand même la garder. Hop. Ah tu ouvres tout d'abord? Donc là c'est en flamme obsidienne avec les trois boosters. Oui, la quatrième, lui je l'ouvre la balle again. Oui. Hop là. On voit un petit. Avec du coup bah, tous les boosters dedans. Il y a bien quatre boosters. Celle-là. 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 Et celle-là. Hop. Du coup, on a 8 boosters, donc 4 boosters chacun, avec évidemment bah, les 3 cartes de Kuro Singe. Hop. Je vais garder les cartes là. Hop. Ça, c'est le tien. Ok, ça, c'est les miens, ça. Ok, nickel. Bon, bah, c'est cool. Je me suis gardé Draco. Toi, tu t'es gardé Draco Feu. Donc, du coup, qui c'est qui commence en premier? On fait un booster chacun ou ouais. On fait un booster chacun. Alors moi je vais commencer par lui, lui et lui. Hop, je finirai. Ça vient du coffret. Evolution Paldea. Est-ce que tu as besoin d'autre que je te l'ouvre? Non. En espérant qu'on ait vraiment de très très très, très bonnes cartes. Des ultra rares, ça serait vraiment parfait. Et c'est parti. Alors, énergie de base. Le Germécla. Virovent. Lixi. Lilithérel. Diama. Philanthrape. Oh, Némélios, un très beau Némélios. Un coiffeton. Un peu commune, on a une reverse terre aride de désastre. Attention. Ah ouais, oh là 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 là. T'as une ultra rare la prochaine? Ça sent le. Oh, DDN extra. Je m'étais dit, c'est bon, c'est un mentali. C'est l'ultra rare. Donc, mais là là. Donc, à moi. On va commencer par celle-là. Bon, t'as eu plutôt, entre guillemets, un très très bon tirage. On va dire ça comme ça, parce que t'as quand même un DDN X. Une X, ça fait quand même plaisir. Hop. Alors, énergie de base, comme toi. Pomme, Ambrilex, Soloshi, Bakabu, studio d'entraînement que j'ai en reverse, Matourjon, Canard Belot. En reverse, on a Fari Girafe. Et en ultra rare, Flanigator. Et j'ai. Attendez. Et pour. Oh là 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 là, c'est pas mal ça. C'est pas mal. 3 reverse dans un seul même pack. Une holo et 2 reverse. Et surtout une full art. Flanigator, comme elle est magnifique en full art. Ultra rare. Lui aussi, il est content. Trop content de l'avoir ce Flanigator X. Wow, beaucoup de chance dans ce booster. Hein. 3 reverse, dont une full art. Ça venait quoi? De quoi? Du tri-pack ou du... C'est celle-là. Donc ouais, du tri-pack. Non, du coffret. Du coffret. Donc pour l'instant, le coffret, c'est plutôt pas mal, je trouve. Plutôt pas mal. Donc celle-là, c'est celui du coffret. Donc si t'en as envie, tu fais ton ouverture, mais il faut... Voilà. Allez, ça c'est du coup du coffret, c'est ça? Oui. Énergie de base, comme moi. Flotilon. Sévipère.
Malos, ça va, après il y a des cartes qui m'intéressent quand même, même si c'est des communes ou des plus communes. Pied d'Assec, on a déjà celle-là. Hypnomade, ça on l'a pas. Sur ça. Terrain de plage. Dunakunda. Ok, d'accord. Lucario, en peu commune reverse. Ça, je suis plutôt d'accord. Une rare la prochaine. Oh, Oikata. Oyakata, je la connais pas trop, mais c'est une rare. Et à la fin, une rare aussi, on a Tombero qu'on a déjà. Mais une full art Oikata, du coup, franchement, plutôt pas mal, c'est coffret. Donc c'est plus rentable de prendre des coffrets pour l'instant. C'est plus rentable de prendre des coffrets que des tri-packs ou des boosters séparés. Enfin, on verra pour boosters séparés. Hop. Donc, allez. Énergie de base, Ambrilex, Melo, j'aime beaucoup cette carte Melo, Sepia Top, Terra Cool, qu'on a déjà en... T'as failli te casser la gueule. Trio Pico, Daru Macho, Entei, qu'on n'a pas en reverse. On en reverse, ouais, pardon, elle est en reverse. On l'a déjà en holo, il me semble, là elle est en reverse. Donc on aura les deux. Et en... Et attention, genre, là, c'est une peu commune du coup. Ils ont foutu une rare, une peu commune derrière. Donc Tombero aussi, mais c'est pas la même Tombero. Et la dernière carte, c'est une rare avec Super Dauphin. Voilà, donc encore une fois, j'ai de la chance, hein, parce que celle-là faisait partie par contre du tri-pack. Hein. J'ai encore une holo et deux... Une holo, une reverse, et, enfin deux holo et une reverse dans un seul même coffret, un seul même pack, donc c'est plutôt intéressant. Hop, à toi. Après, j'ouvrirai celle-là et je finirai par la flamme obsidienne, celle-là. Tu as besoin que je t'aide ? Toi, tu l'as ouverte, celle-là ? Oui. Ok, tu veux commencer par laquelle ? Celle-là. Donc, tu vas commencer par une évolution de Paldea. Donc, celle-là, c'est, il me semble, c'est le booster qu'elle a pris à part. Donc, on retourne. Et attention, est-ce qu'on aura un bon, bonne carte ? Alors, Grondog, Scrutella, Pompe des Pics qu'on a en reverse, je ne sais pas combien de fois, Marill. Après, on a Albert, en peu commune toujours Sévipère, attention, Nemelios, Sévipère en reverse, ok d'accord, dans le même booster, Pont de Pique, oh, qu'on a en reverse, et en rare, Trioxydre, un peu déçu de ce booster, mais laisse celle-là de côté, puis on verra pour plus tard. Donc moi je vais ouvrir celle-là, qui fait partie du coffret, donc Astre Radieux, donc avec de la chance. Hop, attention mesdames et messieurs, alors Dinoclier, Medienna, Shaglam. D'ailleurs, je comprends pas, ça n'a pas eu la carte énergie dès le début. Donc peut-être que je me suis planté, j'ai fait une fois. Donc peut-être que je vais me planter pour cette-là aussi. Peut-être que c'est pas la même truc. Chlorobule, Goupilou, Feu Forêve en reverse. Non, regarde, la carte live, elle est différente, elle est blanche. Ah ouais, elle est différente, la carte live. Feu Forêve en reverse. Après, en rare, nous avons Paragruel, rien du tout, sans en reverse, sans quoi que ce soit. Et Investar, tu vois, vous voyez, enfin, je me suis un peu trompé. Du coup, là, c'est quoi ? Kirlia. Et un truc. Donc, du coup, la rare, c'était quoi alors ? Du coup, j'ai eu juste ça en rare. Paragruel, sans reverse, enfin, sans rien. Sans holographique. Ouais, j'ai juste Feu Forêve en reverse. Un peu déçu de ce tirage aussi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à toi maintenant. On a quand même le Vestar, je suis tout content. Mais j'ai racheté sans toucher, mais moi non.
À toi. Salamèche. Oh, Salamèche, j'adore cette carte. Mini Draco. Mystère. Tilton. Alors attention, Ortiga, on se retrouve. Il ne reste plus que deux boosters, donc c'est fou. C'est très concentré. Pyrax en peu commune. Ben, il ne me reste plus qu'une, donc oui, deux boosters. Donc Altaria en peu commune. Oh, on a une commune. D'accord. En rare, ou c'est ultra rare, celle-là, c'est Vrombi en full art. Bon, c'est déjà mieux. Est-ce que tu as une carte derrière? Encore une rare, et c'est une Darkrai. Bon, ça reste quand même intéressant. Moi, j'aime bien la Vrombi. C'est pas mon surkiff de fou, mais quand même, ça reste bien. T'es quand même contente. Donc, on ouvre le dernier booster qui est le mien. Bon, pour l'instant, qui est-ce qui a à peu près le meilleur booster? Voilà, toi, t'avais quand même eu deux full art. Et une ex. Et une ex. Donc, allez, Melofey, Pimito, Centre Commercial, Exadel, Togetic. Je tombe souvent sur des Togepi et tout ça. Pyrax, un Poltergeist que j'avais en reverse. En commune, on a un Snubbull avec en reverse. Et en commune encore avec un Brossemelol. Brosselholm et une full art. Il me semble que c'est une dresseur et c'est Laim pardon, en full art, en dresseur. Ça reste quand même plutôt pas mal. Hein. C'est pas les meilleurs, mais bon, c'est déjà. Non, mais on a quand même de bonnes cartes. On a quand même de bonnes cartes avec le coffret. Et là, c'était un tripack là, par contre. C'était le Tyrannosif. Ouais. Donc. C'est à peu près pareil entre les deux. Donc globalement, on a quand même eu de très bonnes cartes. Hein. Je ne suis pas déçu. On a des full art. Donc ouais, c'est surtout elle, je pense, que c'est la meilleure. La Flamingator qui est vraiment magnifique. Mais non, ça va. Franchement, je ne suis pas trop déçu. Ça va. Donc on va les protéger. On en a certaines qu'on a déjà en double. Tu vas vendre sur eBay. Qu'on va vendre un peu ou qu'on va garder aussi du coup. Mais du coup, je connais pas quand même pas mal de. On a quand même de belles full art. Elles sont très belles les cartes. En tout cas, tu en penses quoi toi? Je suis très contente. T'es contente. D'accord. C'est moi qui ai payé donc je suis très contente. Bah, merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis on se retrouve pour d'autres tirages qui je pense devraient pas tarder. Bonne journée à tous. Salut.